Eh bien bonjour à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce 23e épisode de BioShock. J'enchaîne un petit peu les tournages. Du coup, on avait donc exploré la zone du salon et du marquis d'époque. Du coup, on avait donc récupéré une amélioration d'armes, ce qui nous permettait d'avoir de consommer beaucoup moins de munitions. Attends, je vais juste boire un petit coup. En fait, j'ai un peu de quoi la gorge encore. Hein. Ah, excusez-moi. Du coup, voilà. Et donc on va donc continuer tranquillement à la zone. On devait aller donc ici. Alors, en tout cas, toute cette zone-là est quand même déjà totalement explorée. C'est quand même assez rapide au final. Voilà, du coup, on va revenir tranquillement. Ah, quand même, une fille qui parle là. Voilà, bon, la zone est quand même assez dégagée grâce à cette merveilleuse, grâce aux caméras et tout. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Je vois rien acheter de plus. Pas besoin, non, c'est la. À chaque fois j'ai l'impression que c'est bizarre, mais. Alors par où on va en fait? Je ne sais pas. Soit on passe par en haut. Je bouge juste le micro, excusez-moi. Soit on passe par en haut. En fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, on arrive ici. Hein, donc ça changera pas grand chose. On va aller là. Tout simplement. Ouais, ok, donc là il y a une vitesse chambre. On va pirater. Quoique, est-ce que c'est réellement très très utile? Oh, fou, oui. Allez. On peut toujours essayer. Alors là, je te parie qu'il faut faire ça. Voilà. Et je crois que j'ai eu raison. Yes, j'ai eu raison. Enfin, par contre, juste, faut que je me dépêche. Et là. Merde. Voilà. Mais effectivement, j'ai eu raison de passer par le bon côté. Donc, vous voyez quand même comment c'est putain de fourbe cette merde là. Oh, il y a un mec qui est mort là. Ok, amélioration génétique, ok. Ici. Ah, petite fille déjà. Enfin, amélioration de petite fille. Ok. Poseidon Plaza. Donc là, on est ici. Donc là, c'est quand même une assez grande zone. On n'ira pas tout de suite. Je pense que c'est la zone qu'on ira faire après. On va d'abord essayer d'aller par là, ici, là. Ça semble être un bon compromis. On va donc faire le tour, tout simplement. Et on va explorer un petit peu tout ça. Ouais. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a pété comme ça? Enfin, qu'est-ce qui a. C'est moi que ça a attaqué ou c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici du coup? Oh! Alors, emplacement fortifiant, ok. Nuée d'insectes 2, ok. Donc ça, j'utilise pas, donc bof. Donc ça, j'utilise pas du tout. Oh, premier, vous avez mis dans les airs. C'est quand même pas mal ça. Bon. Ah, c'est quand même pas mal ça aussi. Hein. Non, je pense que je vais juste faire une amélioration de santé et DV hein, comme d'abord. Du coup, on va améliorer la santé encore une fois. Voilà. On a vraiment énormément de santé maintenant. Ça, c'est cool. Quand même, par rapport au début du jeu, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ouais, je sais pourquoi j'ai fait ce truc là. Alors là, il y a une tourelle là ou quoi? Surtout que je me suis fait attaquer, mais je sais pas par quoi en fait. Ok, bon, c'est pas grave. Ici. Ici, ok, toujours rien. Par contre, juste ici, c'est. Pourquoi il y a des machines là? Ah, c'est ça ici là. Est-ce que je tente ou pas? Vas-y, je tente. Je sais pas si c'est extrêmement utile, mais dans le doute. Et voilà, voilà. Putain, c'est encore impossible à faire. Putain, c'est vraiment de la merde ce truc, c'est terrible. C'est pas grave, on va pas le pirater, ça sert à rien. On va te faire foutre, voilà. Ah ouais, non mais là c'est saoulant ce truc là où tu peux pas gagner en fait simplement, c'est totalement débile. Ok, j'ai l'impression qu'il y a tellement un truc sale qui va se passer là, putain. Encore un lapin. C'est la deuxième fois cette semaine, depuis que mon visage a été... Steinman m'a remodelé mais je ne suis plus la même depuis l'explosion. La solitude me laisse le temps de réfléchir. Qui peut me haïr au point de me faire une chose pareille? Que leur ai-je donc fait? Je pense à tous les bandits et à tous les terroristes que Ryan a bouclés sur la place Apollon, et ça me rend folle! Parfois, j'ai même du mal à respirer. Si je pouvais les confronter, leur dire tout ce qu'ils m'ont fait, comment ils ont provoqué ma ruine et celle de Rapture, je me sentirais peut-être mieux. Ok, donc visiblement, il y a vraiment un truc chelou avec cette histoire de lapin. On va donc aller d'abord
explorer pas cette zone là mais cette zone là. Puisque c'est un tout petit truc. Ouais c'est tout petit donc on va juste explorer ça. Collection Cohen. Je soupçonne quand même qu'on se fasse défoncer la race ici. Ok. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Sympatoche tout ça. Carreau piégé. Il récupère visiblement les trucs pour les arbalètes. Et là, il y a quoi ici? Ah! Putain, j'ai eu un bon réflexe là, putain. J'ai pas du tout vu, c'est tellement fort cette merde. Mais ah oui, j'ai eu un bon réflexe là, putain. Enfin, un peu, peut-être un tout petit peu tard encore, mais honnêtement, c'était pas évident. Hein. Putain. Attends, j'arrive pas à celui que je voulais. Oh putain, ça m'a. Ça fait pas flipper, mais c'était surprenant en fait. Je m'attendais pas du tout à voir ça comme ça. Enfin, à voir ça ici en fait, simplement. Non, merde. Et il me faut lui. Voilà. Ok. Il faut flipper cette merde là, pour ça en plus. Ah, s'il y a quand même un coffre. On va donc le pirater automatiquement. Évidemment. Ça va arriver. Voilà. Voilà, merci. Ça fait quand même très très mal hein, cette merde. Hein. Napalm, très bien. Ça m'a totalement. On va le pirater aussi celui-là. Quelqu'un d'autre pour me faire chier. Je l'ai pas piraté. Qu'est-ce que c'est que cette. Hein? Ah non, il y avait 3. Ok, bon, on va le pirater aussi celui-là du coup. C'est que j'avais racheté quand même des trucs de piratage. Hein. Oh, 32$. C'est pas très cool ça. On va la prendre hein, quand même. Attends. Voilà, merci. Ok. J'hésitais à la racheter en fait des trucs de piratage automatique. On va écouter ça d'ailleurs. Rapture court à sa peine. Et pourquoi? À cause d'eux. Ils sont toujours là, aux Beaux-Arts, dans les galeries de Sceaux, et même ici, dans cette utopie. Les incrédules. Mais Ryan compte. Nous sommes en Osmond. Oui, il y a du sang dans les rues, et oui, les gens disparaissent parfois. Et horribles fillettes. Les incrédules doivent penser que l'on peut peindre une toile sans salir. Ok. Alors, en fait, je suis juste revenu là, pourquoi? Parce que je veux récupérer des outils de piratage en fait, simplement. Donc, je vais récupérer. Voilà, 3. Ouais, j'en ai pris 4, je crois en fait. Je sais plus. 3, j'en ai pris 3. Ok. Même d'ailleurs, putain, en fait, je vais en prendre un autre que je vais. Complètement. Enfin, je vais. Je pense acheter que ça, hein, donc. C'est quoi, sanguinaire? Avec votre clé. Ah ouais. On peut crafter des. On peut crafter des spécificités. Ouais. Ah, l'alcool restaure une petite quantité de. D'accord. Ça peut être sympa ça aussi, vu qu'on rencontre quand même beaucoup, beaucoup d'alcool. Mais bon. Peu importe, on va remonter du coup tout simplement. Et on va attaquer du coup la grosse zone qui est là, hein, bien sûr. Où il y aura peut-être des ennemis, je ne sais pas du tout. Enfin, il y aura des ennemis, c'est sûr, mais est-ce qu'il y aura notre ami Cohen, je ne pense pas. Il y avait quoi ici déjà? Personne ne peut entrer dans les coulisses avant le spectacle, petit papillon. C'est qu'il ne tient pas en place. Ah oui, c'est vrai que là, c'est la zone en fait qu'on peut pas aller voir. Ok, donc on est bien obligé d'aller par là, hein, visiblement. Hop. D'ailleurs, j'ai peut-être entendu un truc se casser chez moi, effectivement, quelque chose qui s'est cassé. Alors. Voici au théâtre du hall de la Martinique. J'aime beaucoup l'ambiance. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit que je sais plus. Non, j'ai rien dit. Je sais pas, j'ai l'air une connerie. Happy Chappy. Sander Cohen. C'est un. En fait, c'est quoi exactement que Sander Cohen? C'est un. C'est quoi? Je sais que c'est un artiste, mais c'est quoi? Je crois que c'était un peintre au départ. En fait, non, ça a visiblement l'air d'être autre chose. Donc là, apparemment, on va dans une.
sera un réalisateur mettant en scène, je sais pas du tout. Oh boy, what a floor show. On dirait les personnages dans Fallout. Qui est une science que je pourrais peut-être vous faire d'ailleurs. Mais apparemment il est pas terrible, mais bon, moi je sais pas toujours quoi la faire. Ok. Bon, allons-y du coup. Ah, alors là déjà une caméra. Ah, ok. Vous avez vu ça la feinte? Je suis passé d'un côté pour la choper, enfin pour l'attirer, et après je suis passé de l'autre côté. Beau gosse, pas beau gosse. Par contre ça, voilà, merci. Tac, il m'en faut un truc comme ça. Voilà. Ok, ça c'est cool. Si jamais on se fait attaquer par l'autre côté, on fouille tout. On fouille tout. La panneau de sécurité au cas où. Le café, on va le boire. Je sais pas ce que ça restaure le café. Je crois que ça restaure de l'éveil, je crois. Faut pas y aller par ici, ok. Et là, visiblement. Ouais, ça buguait ou quoi là? Ok, alors excusez-moi, j'ai dû faire une toute petite coupure. Donc je disais, oui, effectivement, la map avait un peu bugué, j'ai l'impression. Bon, faut qu'on passe par la côté du coup. Voilà, j'aime pas trop cet endroit. Hein. Je dois vous l'avouer, j'aime pas trop cet endroit. Hein. Même pas du tout d'ailleurs. Ok. Pirater, inventer objet. Donc là on pourra recréer. Ok. J'ai l'impression que c'est le même nom que j'ai là-bas, non? Je sais plus. On va la prendre. On peut pas la prendre. On va écouter le journal du coup. Marque au sujet de la dernière insulte musicale d'Anna Culpepper. Avec tous les artistes dignes d'intérêt qui résident à Rapture, je ne comprends toujours pas pourquoi vous consacrez vos colonnes à cette aberration musicale. Quand elle n'est pas banale, elle est assommante. Quand elle n'est pas assommante, elle est prévisible. Quand elle n'est pas prévisible, elle est dangereuse. Enfin, ce qui est marrant, c'est que moi, il n'y a pas d'aberration musicale, j'étais en train de jouer avec les guitares en fait. Je sais pas en fait si c'est un peu faire un art particulier ou pas. Là, je suis où en fait? Ah, je suis juste là en fait, ok. Là, il y a quoi? Comment pouvez-vous penser que je peux rencontrer mon public maintenant? Alors que je me prépare? Impensable! Comment je passe là? Comment est-ce que je passe? C'est lui? Je pense qu'il faudra que j'y aille après du coup. On va redescendre. Je pense qu'il nous aura ouvert la porte. Non? Ah, c'était par là. Non. What the? Ouvre la porte, connard, qu'est-ce que tu fais là? Attends, j'ai dû zapper un truc que j'ai pas vu, mais. Attends, y'a un truc que j'ai pas vu, c'est pas possible. J'aurais fait qu'il y a pas le film là, à regarder. Non, attends, j'ai dû zapper un truc, c'est pas possible. Voilà. Qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce qu'il y a la clé ou un truc dans le genre? Bon, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de merde? Attends, j'ai dû zapper un truc, c'est pas possible. Donc là, attends, voilà. Attends, y'a un truc dans la petite. Non, y'a rien. On va revenir en arrière, mais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non. J'ai dû zapper un truc, je ne sais pas. Comment je rentre? Je pourrais le péter, mais. On va faire un truc. Je m'autorise à le faire parce que je ne comprends pas trop. Je vais sauvegarder juste, je vais faire une nouvelle sauvegarde. Et je vais essayer de péter la porte. Et si je pète la porte, je vais voir si ça active l'alarme ou pas. Voilà, donc j'ai utilisé mon truc pour rien. Non, visiblement, absolument pas. Visiblement pas du tout.
Alors, soit je suis totalement teubé, ce qui est possible, hein. Soit c'est très mal expliqué. Ok, re-excusez-moi, du coup j'ai fait une petite pause, en fait j'ai juste, bah du coup comme j'ai essayé de lever pour rien, j'ai juste rechargé la partie. Et en fait, je viens de me rendre compte, bah j'en suis rendu compte qu'en fait il faut juste appeler l'ascenseur, voilà. Je suis un éternel bolos. Et évidemment, il y a des gens qui arrivent. Mais... voilà, je vais me faire aider par mon ami. Casse-toi. Voilà. J'ai pris cher, mais c'était pour la bonne cause. Voilà. Bon. J'ai eu l'air un peu con, hein, désolé, mais... vous avez vu, vous êtes arraché les cheveux, mais... enfin, bon, je bloque quand même rarement. Hein. Pourquoi il dit non, non, non? Oh putain. D'accord. Là, visiblement, on arrive dans une nouvelle zone, là. Oh. J'aime beaucoup l'ambiance. C'est reposant, en fait. Enfin, c'est pas reposant, mais c'est... J'admire un petit peu, quand même, parce que c'est quand même cool. Ce théâtre délabré qui est... Par contre, son ombre, elle est un peu... Je sais. Pitié. Encore une fois, jeune Fitzpatrick. J'aime beaucoup, c'est terrible. J'adore. Bon, je trouve qu'évidemment, quand on va approcher, il va se faire défoncer la race. Hein. Non, 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 non. Cohen, espèce de taré, laissez-moi partir. Descendez, petit papillon. La vie, la mort, le fardeau de l'artiste est la capture. Vous voyez le jeune Fitzpatrick sur la scène? Utilisez votre appareil photo. Immortalisez-le tel qu'il est aujourd'hui, pour que je puisse m'en souvenir. Alors, photographier le pianiste mort, pourquoi c'est Cal Fitzpatrick? Ah, parce que... ça fait quoi si je le prends en photo? Faire rien de spécial. Et voilà maintenant Fitzpatrick en pleine heure de gloire. Je crois que vous avez un œil de photographe, petit papillon. Maintenant, dirigez-vous vers l'atrium et placez ce cliché dans mon chef-d'œuvre. C'est ainsi que commence notre collaboration. Alors, je sens qu'en fait, ce mec... trouver chef-d'œuvre de Cohen. Je sens qu'en fait, ce mec va... on va devoir donc l'aider à faire plusieurs trucs et tout, à faire plusieurs tâches, pour pouvoir après... pas aller petit à petit là où on doit aller. Donc, du coup, on doit aller ici. Je suppose que quand on va revenir dans l'atrium, ça va être un bordel. Je pense qu'on n'aura jamais vu un truc pareil, donc on fera peut-être ça la prochaine fois. En attendant, je veux vraiment explorer à fond le théâtre, parce que, tout simplement, je pense qu'il y a énormément de choses à voir. Donc je veux vraiment tout fouiller. Je pense d'ailleurs que je vais me faire attaquer assez sûrement. Bah voilà, du coup c'est ouvert. Ah, évidemment. Super. On va éviter d'y aller. On va éviter d'y aller maintenant, on ira après. On ira après. Ici, il y a quoi? Ok. Super. On va y aller après, bien sûr. Je sais même pas si c'est très utile de les pirater, en fait. Peut-être pour moi, en fait, simplement, pour après. D'ailleurs, je pourrais monter comme ça. Ok. J'aime beaucoup, beaucoup l'ambiance. C'est terrible, là. Moi, je veux monter surtout là-haut. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, il y a une petite amélioration ici. Je crois qu'ils sont figés. Ah, je crois que c'est... je pense, honnêtement, je vous le dis, c'est ma zone... c'est une zone très très glauque, mais c'est je pense ma zone préférée. Alors, la question c'est, est-ce que là je viens de bullshit le jeu ou pas? C'est tellement possible, hein. Non, je crois que c'est le jeu qui me bullshit là. Est-ce que si je fais ça... oh oui. C'est un peu glauque quand même. Ah, je peux pas y aller visiblement. Je pense qu'il faut que je passe par le côté. Bah comme j'ai essayé de faire en fait. Je pense, hein. Là il va me dire... ouais. Explore une alarme. Deux plaques d'alarme en moins lors des pirates. Alors ça, je vous dis qu'en fait, au final, ça pourrait être très très utile parce que c'est quand même très très casse-couille. Mais on va toujours pas le prendre. Et voilà, bien évidemment, on va se faire attaquer. C'est génial. Ah! Ça fait mal. Oh, c'est que là...
Ah oui, d'accord. Ah, attends, ma petite, je vais te défoncer, ça va être très très rapide. Attends, 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 parce que tu commences à me casser les couilles très rapidement. Hop. Hop là. Elle est où, elle est où? Elle est où? Où est-elle? Ah là. Ok. Je crois que ça s'est ouvert tout seul en fait. Enfin, ça s'est ouvert quand je l'ai tué, je crois. Qu'est-ce que ce bruit? Ah, il y en a une autre. Génial! Merde. J'arrive pas à toucher cette arme. Non, je suis mort! Oh non! J'ai même pas vu ma vie, c'est terrible. Je reprends où en plus? Je reprends hyper loin. Oh, merde. En plus, ça va s'activer en plus là, non? Flux de crotte. Attends, je retourne là-bas. Hein. Merde, j'ai fait n'importe quoi là, super. Je sais pourquoi vous êtes ici. Vous avez apporté la toile sur laquelle vous peindrez votre œuvre avec le sang d'un homme que j'aimais. Je vais vous envoyer à Rennes. Mais vous devez d'abord faire partie de mon chef-d'œuvre. Allez à la lumière. Faites vite. Ma muse est une garce inconstante qui ne me consacre qu'une attention. Voilà, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il passe par là, ce couillon? Non, simplement parce qu'en fait, genre, j'ai pas envie de me faire toucher par les tourelles, simplement. Donc, je passe par là. Il va falloir que je récupère de la vie aussi, parce que je commence à être assez mal en point. J'ai pas eu tout fait gaffe à ma vie, c'est terrible. Hein. C'est vrai qu'elle descend à une vitesse. C'est fou. Alors là, je cache pas que je veux pas la... Voilà. Connasse. Bon, excusez-moi pour la vulgarité. Ok. Là, je veux tout fouiller. C'est pas question que je rate quelque chose. Enfin, il n'est pas question que je rate quelque chose. Il y a aussi le tout en haut là. Ah, j'ai reçu un message, super. Vous les avez dû l'entendre. Enfin, ça vibrait en fait, simplement. Ici, ok. Ah, j'ai tant l'ambiance. Alors, pour ceux qui savent pas, je suis un. J'aime beaucoup le théâtre en fait, simplement. Et je trouve l'ambiance est juste très très cool en fait. Ok, là, ok. Donc là, on a tout fait ici. Il faut juste qu'on aille voir. Donc, il y a encore une petite zone qu'on n'a pas vue. Apparemment, c'est où? Je crois que c'est là. Ah, seringue DV. Non, il y a une zone là en fait que j'ai pas vue. Ah, c'est ça, je crois. Non. Non, c'est celle-là là où j'étais. C'est pas là d'où je suis arrivé. Là. Non, c'est pas là. Par contre, je vais juste retourner. Alors, on va éviter de passer encore une fois par les tourelles. Parce qu'elles sont comme casse-couilles. Puis je pense qu'on va s'arrêter là ensuite. On ira faire le truc de l'atrium dans le prochain épisode. On avance quand même beaucoup. Enfin, on avance quand même bien, pardon. Donc, ne nous plaignons pas trop. Je vais retourner du coup. Par contre, je sais pas comment avoir ce truc là-bas. J'aimerais bien aller les prendre en fait. Mais ça me serait surtout qu'en fait la carte n'est pas. Ah non, c'est... je suis con, c'est pas une salle qui vide, c'est un escalier en fait. Je suis con. M'attaque. Ah, je suis con, je peux attaquer, c'est le feu. Ok. Et du coup, c'est ouvert ou pas? Comment je viens ici, là? Est-ce que je peux faire ça? Non, je ne peux pas. Ah. Ah. Ça m'arrange, moi. Alors, comment je monte là, ici, là? Ah, j'ai envie de savoir comment on monte là, putain. Peut-être pour après, je sais pas du tout. Je sais pas si c'est lui en fait. En fait, je me demande si lui ce n'est pas Cohen qui est là. Ce serait possible, hein. Mais je vais pas le vérifier, c'est qui qu'est-ce couille. Revenons donc ici. Je vais juste. En fait, là je peux pas y aller parce que je vais me faire déboîter. Est-ce que je vais les pirater ou pas? Bon, déjà je vais courir. Parce qu'en fait, je veux juste aller voir depuis le théâtre.
Ah putain, l'enfoiré. Oh putain, il m'a surpris ce con. Est-ce qu'on le voit là? On le voit pas. On ne le voit pas. Putain, il m'a fait tellement peur ce couillon. Bon, faut que j'aille récupérer de la vie déjà, ça première chose. Absolument. Impératif. Putain, c'est vraiment le bordel quoi. En fait, j'aimerais avoir accès à la. Il me saoule en fait, j'ai envie de les. Merde. Ah bah si, il y avait quand même une zone assez intéressante. On va pirater, même si c'est pas très très utile vu qu'on a plus besoin d'être dans la zone. Mais bon, je le fais quand même. Ça ne coûte rien de le faire. Putain, ça a fait tellement flipper le ce connard là. C'est terrible. Merde. Ah oui, comme ça. Je veux dire, putain, je trouve pas le truc que je veux. C'est chiant quand tu trouves pas le truc que tu veux là. C'est trop chiant. Et là, l'autre. Voilà. Mademoiselle. En fait, surtout qu'en fait, je voudrais avoir accès à la. Comment ça s'appelle? À la. La machine en fait, simplement. C'est pour ça que je veux aussi pirater. Parce qu'en ayant accès à la machine, je vais pouvoir acheter des trucs. Et ça, c'est pas trop mal. Et ça, les gens, on part sur un petit business plan en machine. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ok. Ah bah, il y avait un coffre en plus. Piratage. Ok, bah voilà, ça valait le coup en plus pour deux trousses de soins. Eh, par contre, trouver la vodka, on va éviter. Petit coucou de vodka. Oh putain, j'ai pris cher au niveau vie là. Non, j'étais peut-être déjà comme ça en fait, je suis en train de me dire. Ok. Eh bien, allons. Qu'est-ce qu'il y a ici? Putain, c'est de la merde. Ah bah oui, c'est pour les habitants. Je suis bête. Par contre, je voudrais avoir juste accès à la caisse enregistrée. Ah non, je peux pas la fouiller. Ok. Bon, bah très bien. Je vais juste aller acheter des trousses de soins. Et ensuite, je vais m'arrêter là. Je sens que c'est tellement la merde à l'atrium. Je veux pas en fait. Je voudrais ne pas déclencher la suite si possible. J'aurais l'air un peu con en fait. Je vais acheter les trousses de soins, voilà. Tranquillement. Voilà. Bah très bien. Du coup les amis, je pense que. Alors je me dis qu'avec les ellipses, peut-être qu'il y aura eu. Ça sera un peu moins long, j'en sais rien du tout. Bon, du coup on aura quand même fait toutes ces zones là ici, plus toutes ces zones là, on a quand même fait à peu près la moitié du truc. Je pense que d'ici deux épisodes, on aura peut-être terminé hein, d'ailleurs hein, cette zone là. On va quand même beaucoup plus vite, ça qui est cool quand même aussi dans cette zone. Bon. Du coup merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Du coup prochaine fois on va donc aller voir l'atrium, on va ouvrir simplement le truc. Et je pense qu'ici on pourra aller voir, on pourra aller dans la zone prochaine, enfin la prochaine zone, la deuxième partie de la carte. Et je suis quand même toujours intrigué par ce petit endroit ici où on pouvait récupérer l'amélioration, je ne sais pas comment la récupérer. Donc, je vais peut-être me renseigner en off, c'est possible, je vais voir. Enfin, merci du coup d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Le pouce bleu, le commentaire, le tralala, mes couilles sur ton front, etc. 16 rue, à bientôt.